Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Starbound V5 Please de Giraffe avec des lags à foison parce que le jeu n'est pas encore généré et que je fais des dégâts. Hop les, c'est bon. Bon, c'est ce qu'on appelle une attaque. C'est ce qu'on appelle une attaque violente de ma personne. Donc, on va mettre de la lave ici. Voilà, comme ça on saura. Avec potentiellement quelques drapeaux. Hop. Et un peu de lumière sous les drapeaux, parce que comme vous pouvez le voir, on les voit pas des masses. Crac. Raté. Mais dis donc, c'est la planète de l'agression. Tiens, regarde, bouffe. Donc il nous reste encore à peu près, normalement, deux armes à trouver, le Brass Knuckles et le Frozen Boomerang, de mémoire. Donc ça pourrait être intéressant d'essayer de les choper le plus rapidement possible et le plus facilement, le plus sainement possible. Ensuite, il y a des armes légendaires, apparemment, que je n'ai jamais trouvées, que je suis jamais tombé dessus. Ça m'intrigue, je vais pas vous mentir, hein, ça m'intrigue énormément parce que le fait que je ne sois pas tombé dessus me laisse perplexe. Certains d'entre vous me disent qu'ils les ont trouvés dans des coffres. Moi, je me demande si vous les êtes pas give, chers amis, honnêtement. Je sais qu'elles sont apparemment extrêmement rares, mais quand même, on a buté un bon paquet de monstres depuis le début de cette série. Et encore plus si on considère. Le fait que, en ce moment, je suis en farm de coffre. D'accord, génial. Donc oui, je comprends pas trop le fait que je ne trouve pas ces fameuses armes, malgré le nombre de choses rares que je suis censé trouver. Parce que oui, normalement, les... tu vas éviter. Hop. Les blueprints, c'est rare, hein, c'est extrêmement rare. Donc oui, je suis perplexe. Loin de moi l'idée de vous discréditer, chers amis, cela dit, oui, ça me laisse perplexe. Hein. Je me fie avant tout à mon expérience propre, personnelle. Hop, et oui, ça m'étonne que je ne sois pas tombé dessus avant. Bon, après, c'est comme ça. Hein. Aïe. Ce sale temps, là, me saoule, cette espèce de tempête à la con. Hop, allez. Hop, c'est bon. Ah putain. J'ai mon overbike, mais je crois qu'elle est complètement cassée. De mémoire. Ouais, fume un peu. Hein. Ouais, non. Non, non. Ce que je vais faire, c'est que je vais la faire réparer avant. Avant de jouer au con. Un coffre. Rien dedans. Quelque chose m'a vu. Quelque chose m'a vu. Potentiellement lui ou eux. Boum. Ah. Tiens. Tiens, voilà. Question. Si je laisse la nuit passer, le temps qu'on se... Voilà. Est-ce que la météo va changer? Ou est-ce que tout simplement... Attendez. Attendez. Bon, apparemment il n'y a rien. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire ça. Slash admin. D'accord, et ensuite on fait slash time warp. On va donner 500. Et la météo change. On n'aura qu'à dire qu'on fera ça à chaque fois qu'il y a une mauvaise météo. Parce que là, franchement, je suis désolé, mais même pour vous, ça doit être chiant à regarder qu'on fait moins de choses du coup parce qu'on se déplace moins vite. Hop là. Tu connais Rocky, c'est moi qui lui ai tout après. Pour une raison inconnue, je suis pas monté cette fois-ci dessus. Ok.
Alors j'espère que la durée des épisodes ne me dérange pas. En plus, comme c'est des épisodes de farm, je préfère encore qu'ils soient courts, comme ça vous n'avez pas à les subir, entre guillemets. C'est un Floran. Il me semble, chers amis, que nous avons affaire à... Non, c'est bon. C'est un Apex. Un Apex vert, mais un Apex. Oh, pardon. Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé, l'ami. Cependant, je ne peux pas laisser de témoin. Désolé. D'ailleurs, hormis l'herbe écrasée ici, tu n'as jamais été présent. Tu n'as jamais existé sur cette planète. Je rêve où il a deux paires de bouches. Enfin, une paire de bouches, pardon. Simplement deux bouches. Deux paires de lèvres, du coup. Hop. Par contre, on a deux doigts de crever, ce qui serait un véritable problème. Compte tenu de notre high level. Et de la quantité de sous qu'on transporte sur nous. Ah. Ah, j'ai la même, regarde. J'ai la même chose. J'ai exactement... Ah oui. Ah oui. 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 Non. Non. Oh, il m'a cramé quand même. Non. Non. Hop là. Oh, il a survécu. Il a survécu, chers amis. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord. Yo. Crac, là, il a pas survécu. Oh, des avianes. Ah non, je ne veux pas leur faire de mal. J'aime bien les avianes, moi. C'est une race de vrais guerriers nobles. Je crois, de mémoire. Je m'en rappelle plus. Je vous ai fait une vidéo dessus, mais je m'en rappelle déjà plus. Faut dire, il s'est passé tellement de choses et je suis tellement fatigué. Je sens mon cerveau ralenti, chers amis, en ce moment. Pour vous dire. Je sens que mon cerveau est ralenti. C'est fou. C'est vraiment fou. Hop. Non, je ne veux pas cette météo à la mort, moi le nœud. Reviens plus tard. Je suis désolé. J'espère que c'était pas un marché. Ah, oh, c'était un marché. Mais non, je veux vous acheter des trucs. Oh merde. Je veux vous acheter des trucs, les mecs. Oh merde. Oh mais reviens. Voilà. Pas de témoin. C'est bien mieux comme ça. Oh, j'ai coincé. J'ai coincé. Oh, forcément. Ça m'étonne qu'à moitié, bizarrement. Ok, de la lave, donc ça veut dire qu'on est rentré à la maison. On va repasser par là. De toute façon, j'aime pas les dead planètes, vous le savez. Hein, entre les pluies de météorites, tout ça, tout le bordel, tout le caca. Et ces saloperies. Vous avez rien à faire là, les mecs. Les mecs, les mecs. Je crois qu'il avait pété le coffre. C'est là en mode what the fuck, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il vient juste de faire? Ok, rien par là, bah on va continuer à descendre par là. Ah, de l'herbe. Enfin, de, oui, des plantes. Non, je ne veux pas vous voir. Vous faites trop de dégâts. Eh merde. Eh merde, crudy. J'arrive pas à descendre cette planète. Ah, de l'eau, tiens. V'là autre chose. V'là autre chose. Je voulais vérifier un truc. De mémoire. Oh bah merde. Voilà. Une goutte d'eau. Transforme entièrement. Ça s'appelle de l'alchimie. Une goutte d'eau transforme entièrement. Entièrement, pardon, excusez-moi, j'ai eu un message à la con. Ma petite flaque en eau intéressante, on va dire, en healing water. Ce qui est juste complètement craqué. Maintenant, ce serait intéressant d'aller voir sur une planète pleine d'eau. Je pense pas que ça marche parce que ce sont littéralement des cubes d'eau.
Alors, continuons à descendre. Continuons. Vu que j'ai vu un monstre tout à l'heure à côté. Hop. Voilà, parfait. Bon. Il n'y a pas de monstre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on explore? On explore. Oui, on explore. Allez, hop, c'est parti. Ah, bah, d'accord, ça remonte déjà. Ah, ah, attendez. Une hache. Une hache à une main. Ça se joue comment? Ouais. Allez. Pour le principe, je veux bien la mettre dans mon sac. Hop. Alors. Alors. Continuons à descendre. Hop. Qu'est-ce qu'on a par là? Alors on fait maintenant, on fait attention. Ah bah merde, on n'avait pas un petit coffre normalement, tous ces trucs là. Maintenant on fait attention à tous les coffres de biome parce qu'on a pu voir qu'il y avait bel et bien des choses dedans maintenant. Là autre chose. Bon, il n'y avait rien apparemment. On a pu voir qu'un coffre de biome pouvait très bien contenir un truc qui n'était pas censé contenir. Enfin, logiquement. Ok, il y a un petit spectre. Bien éclairé d'ailleurs, c'est joli. Dégage! Vas-y. Non. J'aime bien parce que je vais donner le premier coup, il me fonçait dessus. Et non, tu vas dans l'autre direction s'il te plaît, c'est mieux, merci. Access denied. Je déteste ces petits machins bleus. Ah oh, putain. Et ils sont nombreux en plus. Du poison, ça m'étonne qu'à moitié. Je sais pas vous. Hop. Descendons. On verra bien ce qu'on va trouver. Mais bon, jusque là, planète un petit peu décevante, hein, en règle générale. Même extrêmement décevante. Allez, l'autre, il y a peut-être... Ah, merde, il y a encore un machin bleu. Non. Ah, putain, ils m'ont quand même touché. Non, il y avait un coffre. Rien d'intéressant, on file. Ah, non, tu ne m'auras pas. Ah, il y avait un coffre aussi. Diamant. Non, tu ne m'auras pas. Comment je l'esquive comme un gros malade. Hop. Non, tu ne m'auras pas. Il va me toucher. Eh ben non. Je pars dans l'autre direction. Non. Ah. Ah. Saloperie de spectre. Ah. Hop. Voilà. Alors, c'est marrant, on a l'impression qu'il y a des pierres bizarres au-dessus. Bref, ça me dit rien tout ça. Ah donc. Qu'est-ce que... J'ai une drôle d'impression, enfin bon c'est... J'ai l'impression qu'en fait c'était pas de ma faute. Bonjour. T'as l'air drôlement méchant comme bonhomme. Bon. Ah, par contre. Ok. Excuse-toi. Bon. Bon. Je suis sur le cul. Autant vous l'avouer. Il m'a tout shot ou j'avais beaucoup de points de vie ou pas? Parce que suite au poison, je m'étais pas renseigné de trop, mais j'avais laissé un steampack en activité. Oh, c'était violent ça. Bon, on va du coup en profiter pour aller voir vite fait si on n'a pas une planète de type Frigid Ocean ou n'importe quoi à côté. 7, ici 7. Rocky Airless, hop. Frozen World, Frozen, Midnight, Magma en l'occurrence. Frigid Ocean, on va aller voir si on peut pas transformer par exemple tout le Frigid Ocean en Healing Ocean. Ça pourrait être rigolo.
Ça pourrait être rigolo. Je suis sur le cul parce que je pensais être sur le Reddit de Starbound. Et j'ai un véritable doute. Ouais, j'ai un véritable doute. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, on descend à faire le petit test. J'aurais dû mettre ma tenue de scientifique, ça aurait été rigolo. Il m'a dit que je tombe dans l'eau. Tout à fait. Ok, et donc, par principe. Il va falloir un petit bout de glace. Ça tombe bien, j'ai de la glace. Hop, parfait. Voilà, elle se fait aspirer, d'accord. Je fais ça. Là, crac. Normalement, ça veut dire que là, je peux récupérer les, ce qui sont littéralement des cubes d'océan. Ok. Je remets de l'eau dedans. De l'eau à moi. Hop, je remets une goutte. Vous voyez, en quelques gouttes, elle se retransforme. Hop. Et elle coule littéralement. D'accord. Et simplement... D'accord, je ne peux pas récupérer. Ok, bon. Bah tant pis, on aura essayé, hein, on aura essayé, chers amis. Eh bien écoutez, c'est sur cet essai scientifique qu'on va se laisser. Merci de l'avoir regardé, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, à la commencer, à la partager. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et yop, j'espère qu'il aura été assez long cet épisode. J'espère qu'il fait plus de 10 minutes déjà, ce serait pas mal.